Au nom du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique et à mon nom personnel, je voudrais féliciter et remercier vivement les organisateurs de ce forum. Biat Consulting, Mohamed Adiji, l'économiste maghrébin, M. Meshri, Madame Saher Meshri, Madame Angèle Bonané, secrétaire exécutive du club. Monsieur d'affaires Seda, professeur à Kemalouzou. Ainsi qu'à tous les panélistes. Mes remerciements vont également à vous, membres et participants, qui êtes venus de loin. Je vous souhaite un très bon retour dans vos pays respectifs. Nous souhaitons remercier principalement M. Habib Karaouli, PDG de CapBank et vice-président du club, pour sa disponibilité, la mobilisation des acteurs tunisiens et son implication à tous les niveaux de l'organisation de ce forum. Merci beaucoup, Habib. Nous vous prions également, Habib, de transmettre nos remerciements au ministre des Finances, qui a bien voulu présider l'ouverture officielle du présent forum malgré son agenda chargé. Le thème de ce forum n'était pas évident. Le rôle des banques africaines dans l'intégration du continent. Le sujet est vaste et il n'a pas été abordé souvent par les structures. Il était par conséquent important pour nous de nous préoccuper de cette problématique, comme le confirment nos panélistes et intervenants sur le fait que, incontestablement, les banques ont un rôle clé à jouer dans l'intégration du continent. Ils sont incontournables dans le processus d'intermédiation et de facilitation des transactions entre les opérateurs, les professions et les États. Je suis personnellement convaincue qu'au lieu d'attendre les grands schémas et les grands plans, nous pouvons, à notre modeste échelle, initier des actions qui peuvent servir d'exemple sur lesquelles nous pouvons bâtir des modèles. Enfin, nous remercions le comité scientifique, les professeurs d'affaires Saïdan, Nabid Jedlan et Babacar Sen pour le compte-rendu. Cette synthèse a présenté des propositions. C'est à nous d'en étudier la faisabilité et faire l'objet d'un programme pour l'avenir du club. Tous seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, je vous souhaite vraiment bon retour et rendez-vous à Lomé en février 2019. Merci.